Les amis, il est actuellement 3h du matin et plein de phénomènes très étranges se passent dans cette villa et j'aimerais un peu avoir plus d'explications. Tu peux me dire, Diabolo, qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai entendu plusieurs fois des bruits de sérénade. Alors après, je dors dans la chambre la plus haute. Du coup, peut-être que j'ai rêvé, mais en vrai, je ne pense pas. Oh, mais les amis, mais si c'est vraiment ça, ce serait clairement hardcore. Ça voudrait dire que donc Sérénade vit pas très loin de cette villa ou peut-être même carrément ici. Souka, t'en penses quoi de tout ça? Mais mec, moi je comprends pas, j'ai entendu personne cette nuit, j'ai dormi comme un caillou. Eh bien les amis, pour cela, j'ai une solution à vous proposer. Ce que je vous propose, c'est que dès maintenant, on installe des caméras dans toute cette maison, histoire de voir un petit peu ce qu'il va se passer durant cette nuit peut-être. Et du coup, les gars, est-ce que vous avez tous vos caméras? J'ai ma caméra de surveillance, elle est prête, let's go, lui aussi. Et moi j'ai une super caméra qui risque de tout filmer. Et moi les amis, j'ai une caméra infrarouge qui risque de filmer tout ce qui va se passer, même durant la nuit. Et avec ça, vous allez voir que ça va clairement faire l'affaire. Et bah les amis, dès maintenant, on place tous nos caméras à des endroits différents. Et dès maintenant, bah je commence à placer la mienne, c'est parti. Du coup, ce que je vous propose, c'est que dès maintenant, on place une caméra devant la maison. Ouais. Donc voici la première caméra qu'on va placer. On va la mettre juste ici comme vous pouvez le voir. Et alors pourquoi est-ce qu'on la place ici les amis? C'est très simple puisque juste derrière on se retourne, 3, 2, 1. Il y a évidemment la magnifique villa. Et du coup peut-être que Sérénade pourrait passer juste au-dessus peut-être. Bon, dès maintenant plaçons une deuxième caméra. Qui veut la placer les gars? Mais mec, moi j'ai une super caméra, j'ai grave envie de la placer. Et j'espère trouver Sérénade en action. C'est parti, vas-y, essaye de la placer quelque part. Dès maintenant, dans la maison, dans la maison. Ouais, dans la maison, oui allez go, venez, venez, venez. C'est parti, on va directement dans la maison. C'est bon, on est à l'entrée. Je place la caméra vers où à ton avis? Je sais pas. Oh, mais on n'a même pas passé de caméra dans les chambres. Viens, on en place dans les chambres déjà aussi, non? Bah oui, j'avoue, il m'a fait peur cette nuit. Je vais y aller, viens. Et du coup, dès maintenant, c'est parti. Plaçons la première caméra dans la chambre à Souka. Mais là, juste ici, ça devrait être pas mal, ouais. Ouais, je la mets vers un petit peu vers mon angle où je dors. Moi, je dors ouais. Juste ici, donc en vrai, c'est bon. Hein. Écoutez, les amis, ça me semble parfait. Diabolo, tu veux pas placer une petite caméra toi aussi dans le jardin, par exemple? On pourrait mettre une caméra juste à côté de la piscine. Je pense que c'est une super idée. Comme ça, évidemment, demain matin, s'il se passe quelque chose pendant qu'on se baigne tous à la piscine, ça sera évidemment filmé avec cette caméra. C'est parti, Diabolo! Donc, voici la caméra qui filmera directement vers là-bas. En plus, les amis, à un endroit assez étrange de la villa, il y a un portail bien particulier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dès maintenant, on va placer des caméras partout dans la maison et on va placer celle sur le portail, évidemment. Voilà, les amis, je parle évidemment de ce portail-là, les potes. Parce que, évidemment, dans ce portail, c'est ici apparemment que Diabolo aurait entendu des bruits de Sérénade. C'est ce que tu m'as dit, c'est ça? Ouais, parce que lorsque je regardais par le balcon de ma chambre, j'ai vu la tête de Sérénade au portail. Après, je sais pas si c'était un rêve ou un cauchemar. Oh là 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 là, attends, mais Souka, faut qu'on place une caméra ici, du coup. Mais les gars, vous êtes complètement fous. On a vu le portail s'ouvrir tout seul et vous voulez quand même y aller, mais c'est incroyable! Oh, mais non, mais mec, attends, mais c'est pas incroyable, y'a Sérénade juste là! Vas-y, place une caméra! Oh non! Ça y est, les amis, la caméra du coup de Sérénade est installée et comme ça elle permettra de filmer tout le portail. Et dès maintenant, il faut qu'on condamne aussi cette porte. T'as pas un truc pour la fermer? J'ai vu qu'à côté du portail il y avait peut-être un cadenas qu'on pouvait utiliser. Attends, il est juste là! En fait, le portail est déjà condamné! Attendez, essayez de l'ouvrir pour voir! Ok les amis, le portail ne peut pas du tout s'ouvrir, j'ai mis toutes mes forces. Ce qu'on va faire, c'est que dès maintenant, ce que je repose, c'est qu'on passe 24 heures, on dort, on joue à la piscine, on fait plein d'autres trucs et on se retrouve dans 24 heures. Vous êtes chaud les gars? Ouais, je suis super chaud, à dans 24 heures les amis. Vous allez voir comment on s'amuse ici, c'est incroyable, vraiment, on s'amuse beaucoup trop, on a plein d'activités super géniales. Et donc les amis, comme vous pouvez le voir, je suis actuellement avec Souka et Diabolo Fit, juste ici. Et ce qu'on va faire, c'est que dès maintenant, on va regarder un petit peu tout ce qui a été filmé dans cette journée et durant cette nuit qui s'est passé aujourd'hui. Et d'ailleurs, Diabolo, tu m'as dit que c'était avec cette caméra là que tout s'est passé, c'est ça? Mec, c'est la caméra de surveillance qui a absolument tout filmé, tout ce qu'on faisait dans cette baraque. Mais attends, mais Diabolo, toi qui as regardé un petit peu les rushs, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses très étranges, surtout avec Sérénade. Attends, mais t'es en train de me dire que pendant que je dormais, Sérénade est apparue? Bah apparemment, c'est bien ce que j'ai cru comprendre et c'est pour ça que dès maintenant, on se lance directement la vidéo. Ok, alors du coup, bah attends, mais y a pas Sérénade là, il est où? Oh, mais par contre, mais là, je me rappelle. Mais voilà. Mais là vous étiez carrément en train de me troll là. Oh mais là, non, t'as arrosé. Là je suis en train de pleurer parce que vous m'avez tellement arrosé. Oh derrière, oh il t'a poussé. Souka essaie de me pousser mais malheureusement elle a pas réussi. Il a essayé de te mettre dans la piscine et du coup bah là moi je me suis sauvé, hein. Ils m'avaient trop embêté. Et là ils sont partis faire une grosse bataille. Oh bah attends, ça c'était quand t'avais embêté Talcado, regarde-le. Oh mais j'allais tomber. T'étais à deux doigts de tomber. On voulait le pousser à l'eau mais on a pas réussi. Mais du coup c'est bizarre là, on a pas de Sérénade encore pour l'instant. Ah attends, là ça c'était quand on faisait du volley-ball. Déjà bah je crois que c'est nous, regarde on avait carrément... Oh ouais. Oh ouais. Attends mais comment ça se fait qu'on l'avait pas vu ça Attends mais vous avez vu un Sérénade quand vous êtes du volet? J'ai vu un petit truc passer. Un petit truc passer vraiment. Après ça se trouve c'était juste un bug peut-être, hein, parce que on a loupé magnifique tir du coup. Ouais par contre magnifique tir, mais par contre ouais, il y a eu peut-être un bug. Ah oh mec, on est en train de bronzer. Oh
Ouais, attends, mec, je suis sûr à 2000% que j'ai vu quelque chose passer là, c'est sûr. Non, les gars, vous me trollez là. Non, je crois qu'il y a quelque chose qui est passé. Bon, je suis vraiment beau. Hein. Par contre, il y a un truc qui est passé derrière là. Les abonnés, mettez pause sur la vidéo et regardez bien. Regardez bien derrière. Ok, ah bon. Là, en vrai de vrai, t'étais juste en train de faire du toboggan tranquillement. Oh. Mec, ça. En vrai, à ce moment-là, c'était un peu la vie de César. Ouais, c'est que tu fais en vacances. Ah, mais je kiffe. Les amis, franchement, on passe des super bonnes vacances avec Souka Diabolo Fit, les potes. Si vous voulez avoir plein de nouvelles vidéos dès maintenant, mettez un gros pouce bleu. C'est un like. Important. Et du coup, oh non, mais what, tu es arrivé là. Waouh. En tout cas, ouais, on passe sur. Oh, attendez, oh, vous avez fait quoi? Ah, c'est le moment où on t'apprend que. Non, regarde. On t'apprend des prank. Arrête. Ah, la caméra. Oh, mais non. Vous m'avez carrément embêté en fait à ce moment-là. Non mais sérieux quoi. En plus là, elle était méga fraîche et tout. Elle était tellement froide et j'étais super énervé. Ah, là on arrive du coup un petit peu quand on est un peu le soir comme vous voyez. Et Souka nous prépare un bon barbecue avec plein de charbon et tout. Et je crois qu'on avait des saucisses et tout. Ouais, donc des là, bonnes merguez. Franchement on s'est régalé en plus. Ah ouais. C'était incroyable. C'était vraiment magnifique. Bon, pour l'instant en tout cas, dans ce point de vue, il n'y a absolument pas de sirénette comme on le voit. C'est assez étrange. Mec, le point de vue il est incroyable. Ça c'était incroyable. Ça c'était pour ceux qui le savent en fait dans le toit de notre maison comme vous le voyez. Et du coup et bien sur le rooftop. Voilà exactement le rooftop. Là je crois qu'on se cherchait un truc à manger dans un petit restaurant et tout. Et du coup bah là on venait de partir et qu'est-ce qu'il va se passer. On était parti au restaurant vraiment. Oh what. Mec c'est Sirenhead. Mais mec par contre là il est vraiment là. C'est le vrai Sirenhead. Attends. Sirenhead était clairement là. Les gars vous allez me dire qu'on va rentrer en pleine nuit alors que Sirenhead est en train de se balader dans la maison, mais quoi? Je commence à avoir peur. Oh mais what, mais pourtant. Mais on est d'accord les gars, on en avait absolument pas vu pourtant. Mec, heureusement qu'on part demain. Heureusement qu'on part demain. Oh mais what, vivement qu'on part de cette maison de fou parce qu'on a déjà vu Sirenhead, de Gibuki, Momo et plein d'autres monstres. Non là vraiment c'est trop. Là il a l'air de rien de se passer. Ouais là ça va, c'est tranquille. Ah non là c'est. Du coup là je crois qu'on était tous partis dormir, on était fatigués. Ah ouais, on revenait du Casanova. Ah bah oui. Regarde là, on revenait de Casanova du coup, et puis comme tu peux le voir, il y a donc Souka, je crois, là, qui était super fatigué. Il prépare son petit lit tranquillement pour dodo. Oh, tu étais fatigué là. Ah, mec, j'étais complètement fatigué. Ah, ouais, là, bonne nuit au Casanova. Bien mangé. Là, les amis, il était quand même assez fatigué, les potes, et du coup, qu'est-ce qui va se passer là? Oh, oh, oh. Mec, mais t'as dormi là que Sirenhead était juste à côté. Mais en plus, la fenêtre était grande ouverte. Attends, là, c'est maintenant, c'est moi qui pars dormir. Me dites pas qu'il va se passer un truc quand même là. Ah non mais ok. Non s'il te plaît. Ok bon. Pour l'instant pareil hein. Moi je dors. J'étais aussi très fatigué hein. Faut le souligner. Et du coup qu'est-ce qui va se passer? Ok là je. Ouais t'étais fatigué aussi. Hey, moi je m'endors très vite les gars. Oh non mec il était encore là. Ça t'a réveillé un petit peu hein. T'as vu? Ouais c'est vrai. What? J'avais cru entendre un bruit de sirène et tout. Mais en fait c'était donc bien Sirenhead qui était là. Et attends attention. Là c'était quand toi t'es parti dormir. Alors moi je dors dehors. Et t'es dormi dehors je sais pas pourquoi. Oh là là. D'ailleurs c'est bizarre. Pourquoi tu dors dehors? T'avais chaud? J'avais très chaud. Ah ouais en effet les amis. Je dors en fait sous le toit. Il fait très très chaud. Mais là attention hein. Attends, il va se passer un truc. Non, quand même pas. Attends, ça a bugué. Mais what? Ça a bugué. Mais la caméra l'a pas tout filmé à toi. Attends, mais ok, là c'est la maison. Attends, parce que du coup, il y a aussi des caméras dans la maison, comme vous le savez. Mais qu'est-ce qui va se passer à la maison là? What? Oula. Les gars. Attends, ça bug là. Oh non, les gars. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est un qui est en train d'attaquer la maison en fait. Mais regardez, la piscine elle devient toute rouge là. C'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison là? Ouais, il faut vite qu'on se barre, c'est incroyable. On se barre d'ici. Non, les amis là, il faut absolument que l'on prenne tous nos valises et qu'on se taille d'ici. C'est clairement trop hardcore. C'est incroyable, faut que tu vendes la maison, je sais pas quoi. Ouais, là, il faut qu'on fasse un truc. Et là, du coup, pourquoi il y a le grillage? Qu'est-ce qui va se passer avec ce grillage là? Oh quoi? Mais les gars, la porte de derrière la maison s'est ouverte toute seule. Toute seule, comment ça se fait? Les gars, vous croyez qu'il y a quoi dans la porte du garage là-bas là? Mais je sais pas, mais ça commence à me faire peur cette histoire. Non, là par contre ça commence à être vraiment trop terrifiant. On va jeter un petit coup d'œil. Let's go. Ouais, on y va. Ah. Et du coup les amis, comme vous avez pu le voir à la réaction, il s'est passé quelque chose dans le portail juste derrière nous. Les gars, on a vu qu'il s'est ouvert, mais qui a ouvert le portail les gars? Vous avez une explication? Bah d'après toutes les caméras, le monstre qu'on a le plus vu c'est Sirenhead, donc je pense que c'est Sirenhead Tuner. J'avais donc raison, c'était pas un cauchemar ni un rêve, c'est vraiment Sirenhead. Wow, attendez les gars, bon dès maintenant on a une décision à prendre. Est-ce que on ouvre ce portail et on y va, ou est-ce que on part directement de la villa en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, si chaque abonné qui regarde sa vidéo met un like, je prends mes pieds et je vais derrière ce portail. Bah, en gros dès maintenant mettez un pouce bleu et vas-y va au portail maintenant, t'y vas. Ah ok, c'est parti les amis. Oh, les gars je pense que c'est pas du tout la bonne idée. Pour moi Souka ne devrait pas ouvrir ce portail. C'est parti, vas-y Souka. Oh. Ok.
ça y est, le portail de la villa, comme vous pouvez le voir, est ouvert. Bon, les mecs, qui s'y aventure en premier, les gars? Moi, j'ai dit que je l'ouvrais juste, hein, j'y rentrais pas, hein. Mais en vrai, qui va? J'y vais en premier, Souka ou Diabolo, peut-être? Non, Trulure, c'est à toi d'y aller, c'est ta vidéo, t'y vas. Ok, j'y vais, mais je pense que je vais sûrement courir, hein. Du coup, les amis, vous l'avez entendu, ils veulent absolument que j'y aille en premier, les gars, vous êtes sérieux ou quoi? Je t'ai dit, c'est ta vidéo, c'est toi qui vas. Alors, moi, c'est mort, je mets pas l'épée là-bas, mec, tu vas tout seul. Il m'envoie clairement dans la bouche du loup, c'est pas grave, on y va. Allez, j'y vais, j'y vais. Mais Diabolo, mais tu te rends compte de ce qu'il est en train de faire? Il est complètement fou, il a envie de se faire manger, ce type. Je crois vraiment qu'il a perdu la tête, à mon avis, il va se faire manger par Serena. Oh, attends, attends, attends. Mais, mec, oh, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Non, 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 par contre, là, il y avait une dinguerie, là. Comment ça? Comment mec, ça? Je crois que j'ai vu clairement Sirenel, les gars, je suis clairement en train de flipper, quoi. Je suis sûr que c'est pas vrai. En vrai, t'es en train de nous troll. C'est pour sa vidéo, je suis sûr que c'est un troll. Bah oui, on le connaît bien, ce tuner, il a envie de nous faire peur, mais ça va pas marcher cette fois-ci. Non, 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 les mecs, regardez comment je suis essoufflé. Là, j'ai vraiment vu une dinguerie, c'est clairement Sirenel qui est là-dedans. Les gars, vous me croyez pas? Bah vous savez quoi? On y va, nous trois, alors, ok? Ok, je te suis, c'est parti. Allez, c'est parti, de toute façon, on a rien à perdre, let's go, hein. Et bah les amis, c'est parti, on va directement nous trois dans le portail. Let's go, alors, let's go, on y va, on y va. Il est où ton Sirenel, là? Je le vois pas. Ah ouais, Sirenel. Bah attendez les gars, pour cela il faut directement qu'on crie son prénom en même temps, les gars. Venez, venez, venez. Oh, de toute façon rien ne peut arriver, hein. 3, 2, 1, Sirenel. Quelque chose? Oh mais oui, mais oui. Bien, Sirenel. Ok, ok, bon, allez, vite, on court d'ici. Ouais, on part. Et les amis, pour ce qui est de cette villa, c'est fini. Ouais. On ne viendra plus jamais ici, d'ailleurs on ferme la porte. Fini les amis, bref. Venez, on regarde un petit peu l'état de la maison vite fait. Mais mec, ça se trouve elle est en feu la maison. On va dès maintenant voir un petit peu ce qu'il se passe dans cette maison, les gars, on y va? Ouais, c'est ouais, parti, let's go. Oh, regarde. Oh, what? C'est un truc de fou là! Ah ouais, non mais clairement là par contre c'est hardcore. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Sirenel vient de détruire la maison, je pense que c'est fini pour ici. Vraiment, c'est la dernière fois que je viens ici, je ne viendrai plus jamais de toute ma vie. La prochaine fois, tuner, quand tu me diras de venir quelque part, préviens-moi qu'il y a des monstres à côté. Oh les amis, non, c'était vraiment trop. Bref, dès maintenant, on va s'arrêter là. J'espère que ça t'a plu. Abonne-toi évidemment à la chaîne, sinon il y aura Sirenel qui va venir chez toi. Et dès maintenant, tu as deux nouvelles vidéos. Une juste ici, une juste là, clique dessus et je te souhaite un bon visionnage.